à tous, c'est Warnock Terror et on est là pour le round 3. Fight! Excusez-moi un peu de nostalgie avec les jeux de combat, Street Fighter, etc. Donc on se retrouve pour le round 3 du chapitre 1 du story mode donc. Et comme pour l'épisode 2, je ne sais même pas quoi dire pour comme introduction, à part qu'il a encore shooté ce pauvre petit bébé. Ce pauvre petit lui en bébé. Et donc on va commencer par le chapitre 3 avec Blow Your Mind. Donc on va commencer dans un café. Bouge. D'accord. J'ai mis un grand coup de saut sur quelqu'un. C'est très gentil. On est en chute libre là. No! Attrape vite ça, le vieux. Vite. Non, c'est pas ce que tu devais faire. Qu'il est con. Oh, un sous-marin. Oh, les beaux poissons. Boum! C'était pas ça. C'est moi qui ai écrit gaz là. Boum! First try! Premier essai, première victoire. Boum! Eh hey, vas-y, le Cro-Magnon là, il va ramener son truc de gaz partout quoi. Donne-moi ta casquette. Il met des coups, le mec il réagit même pas. Yo win! Bon bah ça a l'air de bien se présenter pour ce chapitre 3. Je veux mon saut. Oh du café trop calé! Yo, what's up man? I gonna fight you. Can I have your attention, please? I just received a message to my BlackBerry. D'accord. Oh, je sais même pas ce que j'ai fait, j'ai réussi. Bon, c'est tant mieux, moi je dis. Sinon, le petit passage Can I have your attention, c'était par rapport à Michael Cole de la WWE. Quand on avait un general manager de Raw inconnu, The Anonymous General Manager, mais bon, c'est juste pour ceux qui connaissent que je dis ça. Sinon, ceux qui ne connaissent pas, qui ne regardent pas le catch, vous pouvez le dire dans les commentaires, vous en foutez complètement de ça. Je comprendrai en même temps, il n'y a pas tout le monde qui regarde le catch. Bon, toi, le barman, je t'aime pas, je te mets un coup de saut, t'as compris? Eh vas-y, il m'a volé le saut là. Ouais, mais il a sauvé le monde. Je respecte, mec. Allez, le sous-marin. Je veux le truc bonus. Une fenêtre là. Vas-y, on jette la mine, wesh. C'est ça en plus. Bonus round. Oulala. J'ai peur là. Ah, mais c'est le même que la dernière fois. Nul. C'est le même que pour l'épisode 1, pour ceux qui s'en souviennent. Mark Pixar. Enfin, j'aimerais une chorégraphie après je me filme et je la mets sur YouTube. Voilà, donc c'est fini pour le chapitre 1 et donc c'est fini pour cette semaine. Les épisodes de MacPixel.
Donc j'espère que le chapitre 1 vous a plu. J'espère que cette mini-série de MacPixel vous plaît. Si ça vous plaît, dites-le dans les commentaires des trois vidéos. Je lis tous les commentaires, je tiens à le préciser. Aïchno aussi lit tous les commentaires et on essaie de vous répondre quand on a la possibilité, mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous réponde quand vos messages c'est MDR, lol, super bien. Là, on vous remercie, mais il n'y a pas besoin de vous envoyer un MP ou quoi que ce soit pour vous dire merci. Dites-vous que quand vous nous dites c'est super bien, recevez déjà en avance un merci. C'est bon, voilà, on va pas envoyer un message à tout le monde dès qu'ils vont nous dire c'est super bien. Ça nous prendrait du temps, surtout que comme je pense l'aurez remarqué, on est des lycéens, donc bon, on a du boulot quand même. Je raconte ma vie, oui, je sais. Donc voilà, c'est fini pour le chapitre 1 de MacPixel. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 2 de MacPixel. Oui. Et dans les prochaines vidéos, la semaine prochaine, j'essaierai d'améliorer mes vidéos selon vos messages, ou alors ne pas changer la recette de Maïté. C'était très nul, je sais, pas besoin de me le faire remarquer. On change pas une équipe qui gagne, on dit, ou on change pas une équipe qui fait ex-aequo, je crois que ça marche aussi. Donc voilà, donc si ça plaît dans l'ensemble, je vais pas non plus me forcer à être quelqu'un d'autre. Et si ça ne plaît pas, j'arrêterai tout simplement. Et si ça plaît beaucoup, je continuerai. Et peut-être même que... Je crois que le Endless Game, ça veut dire mode sans fin. Donc, à mon avis, c'est un enchaînement de niveaux sans fin. Donc, peut-être que ça, je le ferai en live. Et ce sera un chrono time. Faut que je fasse le plus longtemps possible. Bon, sur ce, je vous dis... Pour la dernière fois, je vais le dire quand même. Je vous le dis... à la semaine prochaine, on se revoit à partir de mardi. Oui, parce que le lundi je me repose, hein. Même si je. Voilà. Le lundi je me repose, parce que c'est la reprise de la semaine. Et voilà, j'ai pas vraiment la tête à faire des vidéos. Bon, avant que cette vidéo ne soit interminable, je vais arrêter l'enregistrement. Allez, à plus, à la semaine prochaine.